messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre émission de Un chef dans votre panier. Je suis toujours en compagnie de mon fidèle compagnon, mon cuisinier personnel, le chef Christian Cros. Comment ça va, Christian? Ça va très bien. Oui. Puis toi? Oui, t'es en forme? Je t'ai pas dit puis toi. Puis toi. Ça commence fort. Alors, chef, pour te rattraper de cette joke-là, qu'est-ce que tu nous concoctes cette semaine? On va faire un petit saumon à la japonaise. OK, bon, c'est bien parti. C'est bien parti, hein? Oui. Puis un couscous aux légumes, si le temps nous permet, au poulet, puis à l'agneau. Fait que si le temps te permet, ça va dépendre de ta vitesse, évidemment. OK, bien, le temps de ramasser toutes les choses qu'on a besoin, on se revoit dans quelques instants. Alors, chef, on est maintenant prêt. T'es maintenant prêt à concocter le saumon à la japonaise. Sayonara. Sayonara. Konnichiwa. C'était pas une blonde, ça? Sayonara. En tout cas, bon. Pour notre recette, on a besoin de saumon, OK, du gingembre, des graines de sésame grillées. J'ai du gingembre aussi mariné avec le liquide qui va parfumer la chambre. C'est comme un saumon mariné, en fait. OK. OK. Puis, on va l'accompagner avec du mirin, de la sauce soya, du sucre, du sel, puis une petite garniture de julienne de légumes. On va vous montrer comment faire une petite julienne de légumes, tout ça. OK. Là, j'ai vu de l'oignon dans tes affaires. Oui. Fait que fais bien attention que j'en parle. Si jamais tu le cherches, on sait que les semaines dernières, il y a tendance à voler des affaires. Oui, mais je pense que dans le coin, il y a un pet shop. On va lui mettre une muselière. Première étape. Première étape. Bon, on va préparer notre saumon. Ce que tu vas faire, tu veux dire? Regarde, on met le sel. On met le sucre. Peux-tu me peler le gingembre? Oh! Hey, c'est une première pour moi. Peler le gingembre au complet? Ouais, normalement, on peut le gratter. Il y a une façon, mais... Alors, regarde, c'est parce que j'ai jamais fait ça. Hey, j'ai l'air niaiseux. Tu peux faire ça de même. Ah, OK. 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 Je vais m'en prendre un bon bout. C'est ce que j'avais dit. Moi, je veux pas travailler. Non, je le sais que tu veux pas travailler. Je t'agace. On va mettre notre liquide. Du mirin. Deux bouchons. C'est quoi du mirin? Je t'avais dit pour me poser des questions niaiseuses. c'est à base de riz et c'est sucré. Okay. Mettre dans les sushis, tout ça. Okay. Ouais, c'est pour donner un petit goût. Tu m'écoutes pas quand je te parle avant les émissions. Hein? Mais c'est pas grave, je te pardonne. Non, mais l'idéal, c'est. Quand même, on a quatre gouttes dans ça. Là. Quatre gouttes. Normalement, cette recette-là, on ajoute du saké. J'ai pas de saké. On peut mettre du xérès. Vinaigre de xérès? Non, pas du vinaigre, du xérès. Mais moi, là, je triche un peu. J'ai mis un petit peu de chéri dedans. Oh, chéri sec? Je t'ai pas dit que t'étais mon chéri, là. OK. On dissout le sucre. On a tout mis. Là, on va mettre l'ail. J'ai appris qu'on s'en vient quasiment pas international, là, mais... Eh oui, un chef dans votre panier est tellement populaire qu'il y a une autre télévision communautaire qui ont acheté les deux dernières saisons d'un chef dans votre panier. Là, on passe, c'est la TVC Frontenac, on passe à Montréal. On est quasiment plus populaire qu'ici, là. Ça n'a pas de bon sens. Je te dis, chef, là, on est international. Mais on se prend pas pour d'autres. Non, on se prend pas pour d'autres. Tu as vu, là, j'ai tranché mon saumon en fine lanière. Je ne mettrai pas tout. Là. J'ai pas vu, j'étais tellement occupé. Je vais mettre ma ciboulette. Ça peut être des oignons verts aussi, là, c'est pas grave. Là. L'odeur qui se dégage présentement de ce plat-là est indescriptible. C'est wow! Sérieusement, là, ça donne le ton pour ce qui s'en vient. OK. Ça, normalement, on va le recouvrir d'un papier Jean Saran Wrap qu'on va coller dessus. OK. Au frigo pendant une heure. Et il va mariner tout ça. Parfait. OK. De temps en temps, on peut le brosser un peu. Ben oui. Alors, on va le mettre de côté. On va revenir. Je voulais expliquer un petit peu d'une julienne, c'était quoi, là? Une petite julienne de légumes, là? Ben oui, julienne de légumes, c'est ça, dans le fond? Oui, mais je vais montrer. C'est la carotte, elle se promène tout le temps. On en coupe une partie, quand on s'installe là. C'est plus sécuritaire pour éviter d'avoir un bout de doigt dans ses juliennes aussi.
un bout de doigt dans votre panier. Tu vois, on fait en fine lanière. OK? OK. Tous ces éléments-là. Hey, c'est dur de couper en fine lanière comme ça, hein? Ben non. C'est pas dur. Tu vois ici, j'avais un petit morceau de navet. OK. J'y apporte mon navet en lanière aussi. Puis ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de sauce soya et je l'ai mis à mariner. Ah? Ça, ça va servir. Ça va servir notre présentation. Tu vois ici comme les pois mangent tout. Mais au goût, on aurait pu tout laisser comme ça, là. Tu sais, je veux dire, en gros morceaux ou un peu plus grossièrement. Mais là, c'est parce qu'avec la thématique asiatique, ben non, ça cadre mieux des juliennes. C'est fin, tout ça. Mais c'est pour, ouais, c'est pour le tape à l'œil aussi, là. Un petit peu d'oignon. Alors, c'était juste pour montrer vraiment comment faire une belle petite julienne. C'est pas compliqué. Dans d'autres émissions, quand j'irai le mot julienne de légumes, les gens vont savoir c'est quoi. On est d'accord avec ça? Oui, monsieur. On retire ça et une heure plus tard. On a ça ici. Enlève le papier. Ça le marinait. Puis on va faire notre montage. Juste mettre ça là, mon petit garçon. Tu vois, j'ai des cocons. Regarde bien, je vais le trancher en biseau. Environ 8 ans. Oh. OK. Je vais faire mon petit montage. Pour le tape à l'œil. Le... T'aimes ça me dire? T'aimes ça me taquiner? Ben, je t'agace, chef. Ben, c'est correct. Tu vois? Je peux pas te critiquer sur les plats que tu cuisines, donc je te critique sur la façon de faire. J'ai oublié un morceau. Un morceau de robot. Okay. T'as vu? J'ai vu. T'as vu. Bon, on va enlever le cocon. La petite garniture. Ah, j'ai oublié mes graines de tournesol. Mais ça, aller dans la cuisine. Des graines de tournesol? Va okay. dans la cuisine, demande ça au chef, il va te le donner. Pendant okay. ce temps-là, je vais faire mon petit dressage. C'est pas toi le chef? Il y a l'autre chef. On peut avoir des chefs partout. Hein. Pendant que notre ami est parti, je vais mettre mes lanières de saumon. Ouais, c'est tranquille, hein? Ouh! Hey. Mais voyons donc. Hey, salut Solange! Oh, hey, le chef est pas là, puis là, regarde, Christian m'a demandé de trouver 3-4 affaires, là. Je sais pas, okay. Ça fait 2-3 fois qu'il me demande de quoi. Ses affaires sont où, là? Parce que là, j'ai l'impression qu'il perd la boule. Maxime, je vais te montrer ça. D'habitude, il est toujours pas mal. Regarde ici, Maxime. Okay. Tout est là, bien identifié. T'as ses cabarets, toujours dans l'échelle ici, là, il place. Bon, je pensais qu'il était... Avais-tu un item en particulier? Je pense que c'est ça. Je pense c'est ça. Les jeunes pousses de tournesol, c'est ça. Bon, ben tu vois. Bon. Regarde. Il m'envoie chercher des affaires, là, j'ai l'impression qu'il veut rester tranquille. Es-tu grincheux même avec vous autres? Le matin, le temps qu'il sorte de sa coquille, il faut le laisser éclore doucement, mon bon. Cher. Bon, ben ça, c'est ça le sait problème. On est habitué à ça. Ah, bon, ben moi, je... en tout cas, merci, là, j'étais après, pas au courant de ça. Plus ça va dans la journée, là, ça va bien. Ah, gentil garçon. Tu vois, je mets mes graines de sésame. C'est tranquille quand je suis pas là? Ouais, hey. Je t'ai entendu. Tu m'as entendu, hein? Ordinaire. Excuse-moi. Alors, on appelle ça comment? Des pousses de tournesol. Des pousses de tournesol qui se trouvent habituellement dans la section des fruits et légumes. Oui. Twitch. OK. Petite entrée comme ça. On est d'accord avec ça. Wow! OK, posez un petit coup de l'air en attendant. On va finaliser notre présentation. Ah, tu veux que je passe à Guinée? Ouais. Hey, tu me donnes vraiment le droit de toucher à Guinée. Ouais, c'est un privilège. Tu vois, je mets la marinade. Meilleur que du bonbon. Sérieusement, oui. On va essuyer comme il faut. Si on fait une présentation, c'est l'asiatique un peu. Ouais, tu peux mettre un saran wrap par-dessus, je vais manger ça pour un petit peu.
C'est parce que nos amis veulent y goûter aussi. Ah, OK, c'est... excuse-moi. Ah, excuse-moi. C'est sûr, ici, c'est pas des plantes comestibles. Mais je trouve que ça fait joli pour la décoration. Ben oui. OK. La petite baguette. Que voulez-vous de plus comme entrée? Saumon à la japonaise. Sayonara. Écoute, ça a l'air tellement bon, là. Je peux plus attendre, là. Vas-y. Je vais juste prendre le saumon, puis après, je vais prendre avec le petit concombre. Oh, Seigneur! Non, mon nom, c'est Christian. Laisse le Seigneur tranquille, il y a assez d'autres choses à fouetter. Oh, Sainte-Marie. Aïe, aïe! C'est bon, hein? C'est incroyable. Sérieusement, juste comme ça, ça va. J'imagine ça roulé dans du riz, dans un sushi avec une petite mayonnaise épicée, là. Écoute, c'est un 12 sur 10, Christian. C'est incroyable. 12 sur 10? Peux-tu ça, 12 sur 10? Oui, ça se peut. C'est la première fois que j'entends ça, 12 sur 10. Tu vas en regarder pour tes amis? Alors, pendant qu'ils finissent à boucher, nous allons nous préparer pour l'étape du couscous. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Alors, chef, on est maintenant prêt pour ton couscous à l'agneau, saucisse merguez et tout le tralala. Bon, un aux légumes, oui. Un au poulet, un à l'agneau. On n'aura pas le temps de chômer, hein? On aura plus faim pour souper. On est parti. Bon, ce qu'on a de besoin, normalement, c'est des légumes. Hein? On a besoin de navets, d'oignons, poivrons, courgettes, céleri, de l'ail. OK? Oui. Ensuite de ça, la coupe, on les fait en petits dés. En biseau, le céleri, tout ça. J'en ferai quelques petites démonstrations, tout ça. Ensuite, on a besoin de pois chiches. Comme épices, on a du cumin. Curcumin, de la coriandre, de la poudre de curry, feuilles de laurier, thym, safran. Ça va bien à date. Un peu de base de poulet, sel et poivre. Puis, normalement, on met de la sauce harissa. On n'en a pas. Il y a toujours un palliatif. Alors, on a de la sauce au piment fort ici qu'on va rajouter dedans. Puis, de l'ail haché. Toujours à la course pour mon ail. Ah, il est là. Je pensais qu'il était parti, le caméraman, avec. C'est correct. Alors, normalement, pour le couscous à l'agneau, tu vois, j'ai quelques merguez à l'agneau. Pas de porc, rien dedans, là. Okay. À l'agneau. J'ai une petite côtelette que j'ai saisie un peu parce que pendant l'émission, on va les enfourner au four pour les réchauffer. OK. Le poulet, ça peut être une poitrine de poulet, une desserte de poulet. OK. Qu'on va montrer comment ça marche. Oui. Puis, ce qui est important aussi, c'est le couscous. C'est de la semoule de blé. Hein? Peu importe la sorte, là. Moi, j'ai pris de la médium. Il y en a d'instantané en sachet que tu peux mettre dans l'eau, là, puis... C'est pas long. C'est pas long, c'est rapide. Alors, normalement, dans ma semoule, j'ai mis du beurre, un peu de base de poulet, un peu de sel poivre et de persil haché. Juste pour l'assaisonner avant de le faire. Juste l'assaisonner. Ce que ça nous prend, de l'eau. On prend de l'eau. Normalement, en 5 minutes, il devrait être prêt. On mouille. Je vais le brasser un peu. On va le laisser infuser. OK? OK. C'est sûr, si on aurait une couscoussière. Oui. Tu connais ça, une couscoussière? Non, je connais pas ça. Bon. Couscoussière, normalement, tu as la base. Tu as la base du chaudron comme ça. C'est grand, là. Oups, on va avoir le chaudron là. Si tu veux m'enlever l'autre là-bas. Et puis, il y a un autre qui est en bac par-dessus. Normalement, on met nos légumes dedans, dans le fond. Quand ça va mijoter tout ça, normalement, okay. Tu as comme une genre de passoire qui est en bac par-dessus. Ah, okay. Tu mets ta semoule, puis là, par gravité, ça parfume ta semoule. Par vapeur? Par vapeur. OK.
Là, c'est de l'eau chaude qu'on a mis à l'intérieur. L'eau chaude avec... Elle avait bu juste avant, un petit peu. Donc, faut le savoir, c'est pas de l'eau froide qu'on met là-dedans. C'est de l'eau chaude qui gonfle, hein? Ça prend de la chaleur pour le gonfler. Ça va à date? Oui, première étape terminée. Ça, on va le laisser là, puis de temps en temps, on va l'égrainer, si on y pense. Ça marche. On met le dur, c'est-à-dire un peu d'huile d'olive. OK. Pince sur le piton. Et puis, on va faire revenir un peu nos légumes. Quand je dis le dur, c'est parce que c'est long. C'est le navet, tout ça, les racines sont plus dures à cuire. Sont plus longs à cuire. Puis à la fin, on va rajouter nos poivrons puis nos courgettes, tout ça. Ah, excellent. Parfait. OK. Puis nos pois chiches à la fin. Est-ce que tu veux que je brasse un peu? Oui, tu peux brasser un peu. Bon. Hein, je vais m'occuper pendant ce temps-là. T'sais-tu, normalement, la recette, bon, c'est de la purée de tomate ou de la pâte de tomate avec de l'eau. Certains vont mettre un petit bouillon de poulet. Regardez, là, on se casse pas la tête. Ça va être aussi bon, je dirais presque meilleur, un jus de légumes. Pourquoi pas? Ça parfume, c'est bien. On se casse pas la tête, pas besoin d'acheter de la purée de tomate, pas besoin de... Tu sais, on achète un jus de légumes. Un argument de poids, c'est bien. Pourquoi, hein? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire si simple? Ben, c'est le but de l'émission, hein? Oui, hein? Tout à fait. Alors, tu vois, je vais hacher mon ail. OK. Disons, c'est revenu. On ajoute toutes nos épices. OK. Le curcumin, il faut faire attention, hein? Ça tâche. Si vous avez une planche de travail, tout ça, ça tâche. Okay. On s'en servait pour faire du colorant. Les moines tibétains paraîtraient qu'ils s'en servaient pour leurs habits. Es-tu sérieux? Sérieux. As-tu l'habitude de lancer des jokes plates? Non, pas du tout. Puis là, t'as-tu fait une recherche Internet? Ça s'appelle aussi le safran des Indes. Parce qu'on sait que le safran, ça tâche aussi. Hein? Alors, on appelle ça le safran des Indes. OK? C'est bien de me le dire une fois que tu l'as manipulé, hein? On va mettre un peu de base de poulet. OK. T'as de l'air d'un moine tibétain. On mouille avec le liquide. Environ un litre et demi. On s'en garde au cas où. Un peu de sel, un peu de poivre. Du poivre blanc. Finalement, on va se faire une soupe aux légumes. Vous voyez ici, j'ai poché mes saucisses merguez parce que je vais récupérer le jus qui va parfumer quand on va faire la présentation avec l'agneau. Puis une petite côtelette d'agneau, on les a saisis un petit peu. Quand tu parles de pocher, on entend quoi par là? Si ben, tu on veux les le rappeler aux gens à la maison? On les mouille, à peine à hauteur, puis on les fait pocher environ 2-3 minutes pour aller chercher le liquide. Tous les assaisonnements se ramassent là. Puis, ça sent-tu bon? Ça sent la merguez. Bon. Hein? Normalement, si on va dans l'évolution, ça l'a avancé, on va rajouter normalement les légumes mous. Les légumes durs de tout à l'heure, les légumes mous maintenant. Est-ce que je les rajoute ou non? Pour l'instant, on va attendre un petit bouillon. Normalement, là, ça prend environ 20-25 minutes. On rajoute notre mou. Ensuite, on rajoute des pois chiches. Ça, on a notre base, couscous aux légumes. On a nos légumes qui sont prêts. Après ça, on fait les variantes. Tu vois, je le coupe en petits cubes. La même chose que j'avais pour... On va vérifier notre semoule. Oui. Est-ce que tu... On va l'égrainer. Regarde ça. On l'égraine. Tu vois? Ça se fait tout seul. Hein, oui. Puis, sans être méchant, on peut en préparer d'avance. On peut le réchauffer au micro-ondes, rajouter un petit peu de liquide, puis on le fait gonfler environ une minute pour le réchauffer. Parfait. C'est pas compliqué. Supposons que tout va bien à la merveille. On rajoute nos légumes. Ben, les poivrons. Nos légumes mous, parce que c'est ça que je voulais que tu dises. Les légumes. Super. Normalement, c'est de la rissa. Hein. On va en mettre de la pâte de piment.
Tu savais que c'était épicé, ça? Ouais, mais sens ça. Ça sent, là. Oh, wow! Ce qu'on va faire, on va le retirer de côté. Ah. On va le retirer de côté. Puis, on va en sortir un que j'ai préparé. Ça a une odeur de la Méditerranée. C'est ça. Attention, c'est chaud, mon homme. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Hey. Sens ça. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as à côté couvert sa main. Oh! Pour faire un saut. Merci, chef. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Non, je me suis pas fait mal, sérieusement. C'est pas fait mal. Alors, on rajoute nos pois chiches. Si vous le faites la veille, mettez pas les pois chiches. Mettez-les quand vous allez le réchauffer. Ah. Là, j'ai pris des pois chiches en conserve. Il faut bien les rincer à l'eau froide. Très important. Oui. OK. Regarde-moi ça, les beaux légumes. Ça va être écœur, hein? Bon. Là, vous m'expliquez une théorie, parce que je voudrais faire juste deux montages au lieu de trois. Si on fait un couscous aux légumes, normalement, oui. On va mettre la semoule dans le centre, on va faire un petit creux, puis on va mettre nos légumes par-dessus. Jusque-là, je te suis. Ça va à date? Oui. OK. Mais là, ce qu'on va faire, je vais faire un couscous au poulet. On va se mettre deux pelletés. On va ajouter notre poulet. OK. On le met à chauffer. Tu te brasses. Oui, oui, je vais brasser ça. Dès que ça va mitonner. Fais-en pas trop, là. Fais-en pas trop. Hé, je te dis. Fais-en. Pas compliqué à date. Je sais pas combien de fois tu l'as dit en quatre saisons, là. Ben, c'est parce que. Mais c'est pas compliqué. C'est parce que les clients me disent, chef, c'est pas compliqué. Si ça serait compliqué, les gens feraient pas les recettes. Tu fais pas une recette si tu ne comprends pas. C'est vrai. Ça m'étonne. Je... Un petit bouillon encore. Ce qu'on va faire, mon homme, on la mettra pas tout de suite dedans. Je vais juste mettre un petit saran wrap dessus, puis on va y revenir après. Ça marche? Oui, ça marche. Ici, à l'agneau, je prends mon liquide à l'agneau. Je le mets dedans, on repart ça. Hey, il m'a dit une affaire avec tout ça, là. Oui. Tu vas avoir des lunchs pour la semaine, moi, là? Ben, calme-toi, calme-toi. Tu vois, j'ai des bébés courgettes. Je m'en sers pour faire une petite décoration de mon plat. J'ai du thym. Lui, on va le laisser mitonner aussi. Oui. T'as vu, il s'égraine bien. Je commence à avoir faim, moi, là. En tout cas, le saumon à la japonaise était incroyable. Vraiment mon coup de cœur jusqu'à présent. Ben oui, la saison numéro 4. On dirait que t'en es pas revenu. C'est mieux d'être bon. Je dis ça de même, là. Mais la marche est haute. Ça, c'est une question de goût, là, mais... Je suis terrifié. T'es en train de me paralyser de peur. On va faire un montage avec le poulet. T'avais peur, hein? Ta-la-la-la, ta-la-ta-ta. OK, l'agneau, c'est beau. Oui. Oh, c'est incroyable. Hey. Oh. On le terminera avec les sauces chaudes. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Je peux aller de bain. La côtelette. C'est-tu ma paire de pain? C'est chaud, hein? J'imagine que la saucisse, on aurait pu aussi la, ouais. Hein, la trancher puis la mélanger dans les légumes juste à la fin avant de servir. Ouais. Ouais. C'est comme vous voulez. Bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux rien de plus. As-tu du dessert? Non, c'est la prochaine émission, ça. Ah, OK, bon. Alors, tu vois, couscous au poulet,
couscous, merguez et agneau, à l'agneau. Et puis, aux légumes, on aurait mis juste nos légumes dans le centre du plat. Moi, j'aime ça avec la semoule, un peu de liquide. Puis ici, OK. OK, madame, t'avais hâte d'y goûter, hein? On est prêts? Bon, on commence par quoi, là? On commence par le poulet. Vas-y. Oui. Alors, au poulet. Prends-toi un petit peu de semoule. Ben oui. Moi, je m'attaque à l'agneau. On va avoir un autre goût différent. On va avoir le goût des saucisses merguez en sauce. Ah, que c'est péné! Bon, hein? Goûter à tous ces plats. Tu vois, le goût est différent aussi. Avec l'agneau, avec le jus de la merguez. Si tu prends une petite bouchée de merguez. Ah, ben oui. On s'excuse, hein? On profite du moment. Hein? On se régale. C'est beau, je vais m'en couper un morceau de merguez. Ta-da-da. Non. Alors, c'est déjà tout pour cet autre épisode de Un chef dans votre panier. Chef, waouh, quelle émission! Sérieusement, émission coup de cœur de la saison jusqu'à date. Comment t'as trouvé, toi, ton expérience? Ça a bien été, les plats? Ça a bien été. J'ai eu une bonne aide. Tu m'as aidé. Oui, un petit peu, oui. Ouais, quand même. On s'est quand même réalisé de beaux plats. Oui. Puis, ce qui est important, c'est le goût, hein? La senteur. Ah, on se sentait à l'étranger, en fin de compte. Hein? Sérieusement, c'était incroyable. Si vous avez envie, vous aussi, de concocter ces recettes-là, dont que je vous suggère fortement, venez ici, là, la petite cuisine de chef, juste en avant, voir toutes les recettes en format papier. Vous prenez la recette que vous voulez, vous demandez des conseils au chef, peu importe où vous allez sur le site internet de la télévision d'ici. Le www.télédici.com, vous allez sous l'onglet programmation, vous descendez jusqu'à l'émission Un chef dans votre panier, toutes les recettes s'y trouvent. Alors, c'est à vous de jouer. Bon, mais maintenant, Christian, regarde, on va se retrouver la semaine prochaine. Pour l'instant, ben. À la prochaine. Hein? On va aller faire la vaisselle. Ben, je pense que c'est souvent moi qui la fais seule. Toi, t'as assez à ramasser Ouais, bon, on a chacun nos tâches. Bon, ben, je te laisse aller faire la vaisselle. Okay. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Ramasse ta caméra.